Elle a été l'icône de toute une génération. Jenny Garth a fait le bonheur des adolescents et adolescentes grâce à son rôle dans la série à succès Beverly Hills 90210, diffusée de 1990 à 2000. Pendant 10 saisons et 292 épisodes, la comédienne incarnait Kelly Taylor, aux côtés de Tori Spelling, Donna, Shannen Doherty, Brenda, Liane Deering, Steve, Jason Priestley, Brandon, Brian Austin Green, David, ou encore le regretté Luke Perry, Dylan McCoy. 30 ans se sont écoulés depuis la fin du show, et désormais Jenny Garth possède son propre podcast, qu'elle co-présente avec Tori Spelling. L'actrice de 49 ans est justement revenue sur ses années Beverly Hills, pour le plus grand plaisir de ses fans. En toute transparence, Jenny Garth a révélé que l'une des choses principales qu'elle avait apprises à l'époque, était de savoir comment rivaliser avec les autres filles. Je pense qu'en tant que jeune fille, la série a fait ressortir une part de moi très compétitive, en étant dans cet environnement où j'étais tout le temps jugée à cause de mon apparence ou de mes tenues, a-t-elle expliqué, lors d'une discussion avec son ami. C'était juste une période différente et ça nous donnait, à nous qui étions des jeunes filles, beaucoup de messages contradictoires. Pendant de nombreuses années j'ai eu du mal avec ça, a ajouté l'actrice, rapporte Just Jared. Jenny Garth se sentait menacée. La comédienne a également admis qu'elle se sentait menacée par ses collègues. Si je suis honnête, je pense que, la série, m'a en quelque sorte appris à être menacée par les autres filles, à être menacée par les autres femmes, et, à être plus compétitive parce que je voulais l'approbation ou l'attention de nos collègues, a-t-elle poursuivi. Pour finir, la comédienne a expliqué qu'elle et Tori Spelling travaillent, toujours à travers ses messages à mesure qu'elle vieillissent. Et nous essayons d'être de meilleures personnes et de tout comprendre, a-t-elle conclu.